Et voilà. Là, je suis sur une Game Boy Color. Reprenons le jeu. Oh, mais les dialogues qui sont en haut. Ah non, c'est bon. Reviens me voir quand tu as fini avec les droïdes. Le panneau de contrôle est juste en bas. Ah, ce truc là, mais en fait j'aurais... Ah mais si, je peux courir. Oh, regarde cette animation. Elle est incredible. Apparemment je dois aller ce droïde sur la plaque luminescente. Les commandes vont être affichées sur le moniteur géant. C'est comme dans un jeu vidéo, lol. Ah du coup avec la gâchette t'es en mode free run. Ah et tu peux ressauter, ok. Et pour être sûr de tomber il faut rester appuyé sur la gâchette, très bien. Ça bouge hyper bien. Oh, c'était triangle. Ou Y. Ah, la roulade, B. Pas dans la vraie vie. Merde! Pipidipipi. Bah, attendez. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2. Ah, oui, d'accord, faut rester appuyé sur O pour s'agripper. Très bien, faut tendre les bras comme dans un vieux Tomb Raider. Bravo! Il faut un peu de temps pour s'habituer, mais c'était amusant. Voyons voir ce que veut Gideon. Pour retourner plus ces droïdes après qu'on ait fini dans cette conversation. Maintenant parlons sérieusement. Comme tu le sais, j'ai toujours soutenu malgré tes différences. Je t'ai donné un toit, une éducation, un travail. Mais dis-moi que je me souvienne, c'est vrai, j'en suis vraiment reconnu. Il est temps pour toi de me rendre la monnaie de ma pièce. J'ai besoin de toi et de tes aptitudes pour retrouver un artefact très ancien. Mes aptitudes? Rejoins ton vaisseau, j'ai déjà transféré les coordonnées à ton système de navigation. Oh, il faut oublier français qui est un... Il y a un petit côté Harrison Ford. Regardez-moi cette cutscene! La qualité. Et le mec a vraiment rotoscopé sa propre vie et ses propres cinématiques pour faire son Another World à lui. Et oui, façon flashback. Je me demande si Paul Cuisset a vu le jeu. Sûrement. Lunark. Il y a du scaling, hein. Faut au moins un processeur 32 bits pour faire ça. Et ça en fait des bits. Ça, par contre, ça, c'est trop cool. Le fait d'avoir fait des cutscenes en 3D, enfin des rendus en 3D et de les avoir repixelisés derrière, c'est... Quelle ambiance pour... Il y a une gravure ici. Il y a quelque chose de gravé sur le sol. Quaid, active le réacteur. Oh. C'est parti, c'est le donjon. Oh. Oh. C'est cool. Alors par contre, je sais pas où on va mettre notre sale tête. Hein. Ça sert à quoi de faire ça que du cause des carcasses? C'est pour pas avoir le droit de mettre sa tête. Ah
Ah, j'ai un flingue, hein. Oui, B. Regarde, il y a du... Oh là là. Putain, le long jump, il est très long. Hein. Lonce en avant, courir avec Y. Ah oui, d'accord. Ah wow. À la place de la vie, ouais, bon, j'avoue que... On va pas louper grand-chose. Je vous dirai combien j'ai de cœur. Alors tout ça, on avait compris hein, dans le tuto. Ah non, elle est trop basse. S'accroupir. Ah, puis X. Ah oui, pour tirer. C'est un commutateur de cristal. J'espère que ça va pas me bouffer. Ah non, c'est une... Elle est curative. C'est juste le fait de descendre en restant appuyé sur un bouton. J'ai pas encore le réflexe. Là, je peux tomber. Voilà. Il ne fonctionne pas et il faut trouver la clé. Ah hey. Mais où est-ce qu'il a trouvé un cristal pour faire une cinématique aussi réaliste? Aïe. Et tout ça tient sur seulement 120 MO, mais comment a-t-il fait? Sur une seule disquette à Liga? En vrai, c'est hyper fluide. Surtout le pixel. Ah putain, le pixel art est hyper réussi. Oh non! Oh saloperie! Crunch, crunch, crunch. Oh saloperie! Oh putain! On va aller se soigner. Ah, c'est déjà Elden Ring, ouais. C'est même plus dur. Mais en fait, rien ne m'empêche d'aller vers le haut là. À la Prince of Persia, hop. Deuxième endroit secret. Ah, le premier, j'ai pas où il est. Hein. C'est un rang. Merci Jinx. Les ossements et tout dans le truc. Vous vous rendez compte avec si peu de pixels ce qu'il arrive à faire? Ah! Ah, je le croyais trop fort. Bon, il y a même une douille. Faut que je trouve la clé. Mais j'ai déjà plus de vie, quoi. Quel enfer. Oh, ça coûte pas cher. Oh putain! Oh non! Oh, j'ai regardé! Ouais, il y a une plante qui me reforme. Ok, c'est bien animé en plus. Merci beaucoup, Jinx, pour les 5 subs! C'est un rang. Au moment où je mûre! Mais est-ce que ça tue les trucs qu'on a déjà tués? Merci, les écailles.
Mais attends, speedrun. Speedrunner. C'est un rang. Et voilà. Merci Dragonoïde également. Oh, pour le sub. On joue à Lunark. Là, vous voyez pas que je suis en train d'essayer de grimper, quoi. Là, faut attendre le fait qu'il y ait... C'est un rang. Est-ce que c'est parce que j'ai sauté? C'est le fait de courir qui réveille les araignées, les chauves-souris. C'est un hareng. Ah, pourtant, elles ont tué salement. Hein. Pour être de retour ici, mais qu'est-ce que j'y gagne? C'est un hareng. Merci à Maroc. Ah ok, d'accord. Bon, ouais. C'est le symbole que tu ne veux pas y aller. Non, je sais pas si j'ai une map. Oh. Là, on est d'accord qu'on peut pas descendre, hein. Faut activer un truc. Merci beaucoup Jinx, pas gentil. Quel est mon intérêt là? Ah, remonter. Ah, ah. Essaye d'ouvrir mes trous. Mec, c'est animé. Hein. Je plisse les yeux pour essayer de voir plus de détails alors que bah, y en a pas. Quoi. Hey, mais on dirait une clé de la même. Putain, il y a un palais de swap. Hein. Je note une petite, un petit relâchement de la part de la prod. La kin, hein, bien sûr. Hein. Il y a tellement de taf. Roulade. Ne fonctionne pas, il faut la clé rouge. On peut descendre. Oh! Attends, c'est encore plus zoomé là. Même pas besoin de me soigner. Ça rappelle un certain Mudokon, effectivement. On dirait des cigarettes, les chauves-souris. Ah oui, ça permet de ne pas se baisser dans la corniche, si tant que t'as pas appuyé sur le bouton pour descendre, c'est bien fait. Ouais, et du coup l'arme surchauffe assez vite, hein, vous aurez remarqué. Avec la barre du milieu.
sais que Blizzard s'est essayé à l'exercice de style avec Black Sorn, hein, qui est d'ailleurs dans le Blizzard Collection Arcade, je sais pas quoi, sur Steam notamment. Oh! Restons calmes. Le cadavre d'un mercenaire, c'est celui qui a gravé toutes ses pierres. Il devrait plus avoir besoin de recharge de bouclier. Ces boucliers ne fonctionnent que si on reste immobile, je crois. Je dois presser LB pour l'activer. Non! Putain, saloperie! Quelle arnaque! Putain! Et comment je le réactive? Oh non! Ouais, c'est dev par un français, ouais. Mais c'est édité par WayForward, ce qui est gage de qualité, quoi. Oh là. Oh, ça sent la grosse bête, là. Si vous avez un truc qui fait genre 30 pixels de haut, ça paraît fou quoi maintenant. Attends, faut lui exploser son gros œil là. Oh, oh, la, oh putain, la patate! Allez, j'en ai rien à foutre! Ah merde, là! Pris d'armes enrayées! De Vénus de merde! Petite coupe au carré là! C'est tellement mode cyber! Non! Non, la faute! Vite, allons nous soigner. Pour laver ce péché. Et cette erreur gravissime. Il serait temps de crever, quoi. La roulade est une bonne tactique, hein. On aimerait qu'il puisse se retourner plus facilement. Ben. Et c'est le joueur qui veut ça. Ah! Et bon sang, mais combien de points noirs tu veux avoir, quoi? T'en as plus que moi. Cronche, cronche, cronche. Ouais, on s'est pas foiré, imagine. Mais vous êtes quoi?
Oh putain. L'oncle est plaisible, vie. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Disons simplement que nous partageons des aptitudes. D'ailleurs, je suppose que tu es là pour l'acte. Je ne t'empêcherai pas de le prendre. Mais qui êtes-vous? Tes amis, les humains, nous surnomment les immortels. Mais tu m'appelais Hugues. Ah, au fait, si tu trouves des selves et que nos chemins se croisent à nouveau, je t'offrirai un cadeau de grande valeur en essence de 3 selves. Ça marche, Marie-Ève. Oh! Sur ça, là? Oh! Mais j'en ai déjà 2! J'en ai déjà un autre! Ah, faut trouver les trucs qui sont coûtés 1 pixel. Hein. Et voilà l'artefact que Gideon combat tout le temps. Mais allez, retourne à l'usine pour lui donner. Oui, d'accord, tel quel. 3 seashells. Everybody knows she sells the seashells on the seashore. Salut Terry. C'est monsieur Terry Mortois, gamin. Et non, on se lâche à démissionner ce matin. L'aviron de travail toxique, je ne sais plus quelle est-ce que de la merde. Tu viens de voir Gideon à nouveau, tu peux les ébats. Attends une minute, c'est quoi ce truc accroché à la carène dans l'épave? Quoi? On dirait une bombe gravitationnelle! Ah ça, oui, 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 c'est ça. Oui, c'est une bombe gravitationnelle. Accroche-toi, je vais chercher de l'aide. Sale traîne, cof, cof, je joue à King of Fighter. Gideon, Gideon! Explosion. Il n'aurait pas dû se passer comme ça, 2 minutes. Il va t'enfuir. King of Fighter. King of Fighter. Bah oui, c'est drôle, il était poursuivi, 2 minutes. Alors, les questions que je te laisse ici. Il nous a porté un artefact chez moi, il n'y a que toi qui puisse résoudre le mystère. Mais je perds cette trappe, il traversit même pour le Lidingo. King of Fighter, King of Fighter. Il sera les tensions, le système de sécurité, 2 minutes. Cette grille-là? C'est tellement la classe. Non! Ok. Saut en longueur, on y arrive. Oh oh. Ça fait très Abe, ouais. Ah, il faut le faire dans un temps record, c'est ça? Oh ah, alors, il est sympa quand même. Vitas Vernas. C'est dit, tu peux accrocher une plateforme qui semble inaccessible en pressant avant ou bas à haut pendant que tu cours. Tu vas essayer. Hop là. Il y a bien un truc pour s'accrocher à la volée. Mais c'est un gros traître à la cause, lui. Il est dans le maquis. Ah ah! Il n'est pas activé la sonnette. Là et c'est grogné. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu veux traîner sur ta détrousse, ça va le faire. Entre toi et moi, je serais très contente si je pouvais leur donner du fil à retordre. Est-ce qu'on dit, tu souffles vivement accéléré? Désolé, mais ce n'est pas le sujet que j'aime aborder. Puis c'est peut-être mon style. Léo, je suis tellement soulagé de te voir en pleine forme. On a vu ta photo sur les écrans, c'est quoi cette histoire?
Pour croire que tu as quelque chose à voir avec ça. Merci, Happy, mais je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Elle est coincée depuis que l'alarme s'est déclenchée. Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois ce grand interrupteur au-dessus de moi, il déverrouille la sortie de secours. Je pourrais la porte tout là-haut, mais on n'arrivera pas à l'atteindre. Ah, il va la garder ouverte. Et du coup, il n'y a plus de timer. Oh, malin que le lynx. Faire tout le tour. Une recharge de bouclier. Enfin, non, c'est complètement con. Abruti. Oh, ah, ça y est, des robots. Une recharge de bouclier. Putain, heureusement que j'ai mis mon... Une recharge de bouclier. C'est très bien. Non, mais il me semblait qu'il fallait faire le tour... On va y arriver. Allez. Non ! Regarde, là, il faut que je prenne l'ascenseur là, donc il faut que je fasse le tour, on est d'accord ? Ah, du coup, c'est déjà ouvert. Hein. Hey, hey! Mon bouclier est déjà au maximum, merde. Ah oui, c'est à côté des cœurs, c'est ça. Ah, mais attends, il y a l'interrupteur. Hein. On va se tenir sur la porte. C'est pour ouvrir de l'autre côté. Mais là, on va pouvoir essayer de libérer les potes. Qui sont prisonniers des joules fascistes. Bonjour. Hi. Bon, ça va me donner 4 points. Oh! Là, je le sens. Ah non, ça doit, à mon avis, ça donne les tout d'un coup. Pourquoi se presser?
poil quand ça va pas, quoi. Mais attends, mais là, je vais jamais. Ah, il a rien fait. Ah ah! Roulade! Ah non, mais je la tenais! Là, c'est sûr que c'est trop bien. Oh. Cette burn va venir les caractéristiques de mon arme. Le flingue level 2. Tant pis pour les dégâts. Et voilà. Ah, faut pas se faire écraser comme une merde. Voilà. Et tada ! On a libéré les animaux. Alors ? Déjà, je suis en train de sortir à Barneau avec cette porte. Il y a probablement une vingtaine d'orilles qui te cherchent de l'autre côté. Tu devrais prendre cet ascenseur qui vient au sous-sol. Oh, malin, hein. Oh non. Aïe. Plaque là? Non, Jocelyn l'oiseau, cassé Austin. Est-ce que c'est pas des backers Kickstarter? Son chien ou son voisin? Ouf. J'ai pas envie de mourir en fait. Il prend sa pile, hein. Yassi qui est très très drôle. Oh merde, putain, je suis allé trop vite. Merde. Ah oui, chiant, attends. Enfin, qu'est-ce que c'est bien calibré comme jeu. Les animations sont incroyables, quoi, pour 3 bouts de pixels, quoi. Wouah, réaliste en plus. Plus libre que Cyberpunk. Regardez-moi, connaissez-vous un moyen de quitter le bâtiment? Bien sûr, gamin. Si j'étais d'humeur, je pourrais facilement arrêter la circulation, ce qui pourrait permettre d'atteindre une bouche d'égout là-haut. Mais je n'ai plus le moral, car mon chien n'est pas revenu depuis l'alerte. Votre chien, évidemment, je vais le trouver. Super important. Cette bouche des vous non plus, c'est pas là. Quoi?
Et les gens passent leur vie à se hisser dans des, sur des plateformes. Vous pouvez être son putain de chien. Vraiment qu'un chemin. Mais je suis con, hein. Ça, je l'avais pas vu. Compliqué hein, le fait de rester debout hein. Enfin, de rester immobile pour la recharge bouclier. Heureusement qu'on récupère une recharge là. Mais pas sympa. Note que le jeu n'est pas sympa. Ça permet de revenir par là. Ah, manger. Ça fait un petit peu mal aux yeux, je te l'ai dit. Hein. Ah, il se retourne automatiquement contre le sol. Ils ont des plaisirs de vie, mon ami. Comment est-ce possible que vous soyez déjà là? What are you saying? What are you buying? Got something that might interest you. Allez! J'en ai déjà 3. Et c'est le beau gosse. Mais c'est vraiment un cagite, hein, ça range aux argots. Incognito. Je vois que tu procèdes 3 fèves. Laisse-moi t'offrir quelque chose dans les cendres. Un câlin. Putain, le PV supplémentaire. Ça fait plus Exode Dave que Flashback ou quoi que ce soit. Ouais, merci Tic Tac Studio. Mais attends, mais je suis pas mort là. On joue à Lunark. Oh, le chien, je le vois. Salut petit chien. Regardez-moi cette bouille. Ah, mais je suis obligé de bouger tout le temps. En fait, on sait pas où va être le truc, quoi. Mais regardez-moi ça! Quel goût de bouille! Oh, il joue! Ah non, il est revenu. Il était coincé! Petit bébé! Oh. J'adore trop comment il se craque, franchement, c'est divin, quoi. Parce que, soyons clairs, hein, si tu n'as pas des bonnes animations, tu n'as pas un cinématique platformer, hein, tu as autre chose. Hein. Ah putain, c'est... C'est chiant ce passage.
Le toutou. Il va invoquer le chien. Le chien. Oh, c'est toi qui as retrouvé Smokey. Merci mille fois, je vais arrêter la circulation pour que tu m'aies accès à la bouche des goûts. Trop bien. En plus, là, il y a un PV. Oh là, j'ai vomir dessus. C'est si cool. Oh, une cinématique. Ça y est, on est dans Silver, ouais. C'est la ville. Et mon bouclier était déjà plein de charges. Oh, y'a un chat. C'est le chat de Stray. Bateau aussi, un studio français. Ah, je pensais que c'était une plateforme. Non, mais attendez, comprenez. Je pensais que le truc bleu, enfin, le truc au fond du truc, c'était une plateforme. Merde, à la fin. T'as dû faire mal aux pieds, effectivement. Évidemment, tout le monde n'a pas envie de me niquer. Salut, qu'est-ce qui t'amène en zone F? Je ne fais que passer, et si tu veux, devant cet ascenseur. Oh, ça fait l'éternité qu'il est cassé, c'est d'ailleurs ça qui a motivé à entrer dans l'école d'ingénieur. La ville entière est cassée, mais je l'ai réparée en commençant par cet ascenseur. Je souhaite d'y arriver. Non, laisse-moi tranquille, Farid. Pardon, apparemment, je suis en zone F, comment rejoindre la zone A? Ben, en fait, tu peux pas, à moins que tu saches voler. Oh là, il y a beaucoup de choses. Quelqu'un qui est en train de se faire massacrer? Dernier avertissement. Dernier avertissement, merci de rétablir votre balance de taxes. Placez votre carte de paiement dans mon buste. Mais c'est dégueulasse! Vous m'avez mis accordé un étalement sur l'année, le numéro de dossier dans mon restaurant juste là! Et bien d'abord, merci d'obéir avant l'initialisation de la séquence de persuasion physique. Salopère du site, merde! Et pourquoi cet homme vous avait dit de brutaliser? Il rich, mais. Les jeux, ils ressemblent tous à mes potes! Et Rich, il paye toujours ses taxes en retard. Ces droïdes sont des collecteurs d'impôts. C'est leur principale fonction. Ouais. Ceux qui ont essayé de résister ont payé le prix avec intérêt. Je suis persuadé que c'était une plateforme de truc. Il marche très bien cet ascenseur. Merde, il est juste inaccessible. Ah, il devrait descendre entièrement. Oui, d'accord. Depuis que quelqu'un a cassé la fenêtre au-dessus du club, on s'amuse à acheter des pierres qui surveillent le mur. Tu devrais essayer. Vieille gamine téléphonique, il y a même un annuaire, oui, voir Team Serai, at underscore, Gilbert Biochemistry, bref, des backers. Yeah. Hop. Je me prends un mur pour Deckflow, bienvenue, on joue à Lunark, un jeu, installez-vous, on joue à Lunark, un cinématique plateforme, je suis petit bonhomme rouge qui se balade de décor en décor. C'est pas trop quoi faire de ces 10 doigts. Y'en a plein les choses.
Ces soirs droïdes veulent que je paye plus de taxes, mais aucun client ne veut venir depuis qu'il terrorise le voisinage. Ça peut plus continuer comme ça. Il serait temps de se soulever. On ne peut pas rentrer dans le club. Les pixels! Oh! Ah non, je te sers quelque chose, hein! Non, merci, mon portefeuille a brûlé dans mon vaisseau. C'est la première fois que je l'entends, celle-là. Oh, la vie serait un peu plus facile si ces boîtes de conserve étaient nous raquettées. Ah, mais c'est pas Kent, l'ingrédient secret de ce jus, on a la pêche. Oh, c'est juste des fruits rouges qu'on retrouve partout sur Albarin. Saloperie de caisse de merde! Et là, mon bouclier est déjà au max. Oh oui, je tue les filles comme ça. Et comme ça me chante, hein. Mais du coup, c'était pas un mur là-bas. Des fois, faut du recul, hein. T'as du 70 secondes dans zone A. Le seul moyen serait de grimper par-dessus ce mur, mais je te conseille pas. Mais pourquoi ça? Si tu étais assez chanceux pour suivre trop vite, tu serais désintégré par les lasers au sommet du mur. J'aimerais bien voir ces lasers dont tu parles. Mais dans ce cas, parlez à Haute-Var. Il vit dans les maisons au-dessus des boutiques. Demande à ma guide de t'ouvrir. Aïe. Je m'ai pété. Pourquoi tu stream mon 120p? Et c'est pour moi, parce que j'ai un mauvais wifi en fait. Ah, je vois pas du tout de quoi tu parles. Je viens de la part de Maddy. Maddy, c'est bien vrai, s'il revoit, dis-lui de venir payer son ardoise. Allez, c'est bon, tu peux monter. C'est un peu 145 de QI, hein. Le jeu est sur Switch, ou alors il est sur Switch bientôt. Les animes sont cool. Et où ton 36K? Normalement, il y a moyen. Faut en sorte que ça se... Aïe. Ah, comme j'avais trop chauffé, c'était pas bon. Mais attends, ça c'est un raid barrel, putain. Aïe. Eh ben non, je suis pas assez intelligent pour avoir utilisé mon bouclier quand j'étais menacé. Zone F. À l'école, on prépare effectivement le 300e anniversaire de la grande arrivée. C'est quoi? C'est le jour où Lunar qui entraîne en orbite autour d'Albarin. C'est quoi, Albarin? C'est la planète sur laquelle tu vis, Bécas. Sabar entre les réunions du dictat et du gouvernement. Surtout depuis l'arrestation de leur chef Calvin allait passer dans l'Iqua. Je ne sais vraiment pas de quoi penser. Mon univers s'est écroulé il y a quelques heures. J'imagine que j'ai toujours regardé les choses depuis une position privilégiée. Et pas de juger, hein. On fait tous de notre pied avec les cartes qu'on a reçues, mais moi, c'est en cuisinant des bons petits plats pour ma famille. Je sens vraiment pas, ils ont beaucoup de chance. Ils sont pauvres aussi. Au revoir, les pauvres.
D'ailleurs, 120p, c'est pas si loin. La résolution du jeu est de 200 par 112. Et ça marche de fou. Les couleurs sont trop bien et tout. Tant que les trucs sont sales et tout. Enfin, il y a une esthétique cyberpunk pour de vrai. T'as vu l'explosion en haut du ring? Quel feu d'artifice! Ah oui, j'ai bien été pourquoi hier, là, je répétais. Celui-ci s'est arrêté, ils vont connaître la tranquillité au lieu de l'ours. C'est canon avec stray, on dirait, quoi. Tu as besoin d'accès à ma terrasse, tu as raison. J'imagine qu'avec ton arme, tu pourrais détruire le générateur qui alimente les lasers. J'imagine qu'il y a une condition. Dire avec James, ça voilà, détruit les gangs de Sword. Détruis le gang de Swordroids et j'ouvre cette porte. Gang, mais ils ont combien? Je dirais bon, 4. Bonne chance, t'as leur besoin. Y'en a que j'ai pas tué? Il en reste. Ah, mais non, mais ouais, mais regarde. Alors, je me laisse dépasser par les événements. Ah, mais c'est le. Ah, putain, mais c'est vraiment Prince of Persia! Et il faut qu'il surchauffe. Ah, oh, bordel! Ça, c'est vraiment pop, c'est trop drôle. Bam! Au bas. Bam! Au bas. Bam! Au bas. Bam! Au bas. C'est-à-dire qu'on a amélioré le flingue. Hein. Wow! Ah! Ah! C'était pas la suite. J'ai eu. Je me suis peut-être un peu emballé. Ce qui est bien, c'est qu'ils respawnent pas les trucs. Hein? Que je dois faire à partir de là? Attends, est-ce qu'il estime qu'ils sont morts et que du coup là ça fait 4 avec les deux Non, parce que les Swordroids c'est forcément ceux à la Prince of Persia là. Il va rien se passer, hein. On va trouver. Déjà, ça va.
Ah hey, d'accord, ils en ont rajouté. Ouais, ils se fatiguent que quand on met deux bastos. Faut vraiment temporiser au poil de slip. Hein. Autant de PV que dans Prince of Persia. On y arrive. J'essaie de faire fi de la fatigue. Ah, je viens de comprendre qu'on pouvait faire ça. Ah, c'est une tourelle, ça ? Ok. Ah oui, d'accord, c'était vraiment la baise. Mon Dieu. Bon, il n'y a pas les trucs qui perdent 500 de vie, quoi. En trouvant un autre débile... Heureux de voir que je suis pas le seul à aider. Merci, on s'en souviendra. Pas du tout réparé. Oh, il y avait une shell. Et évidemment. Des trucs à dire, mais ça m'intéresse pas. Alors, comme ça, tu vas vraiment affronter ces droïdes. J'espère que si t'attends derrière ces murs, on voit la peine. C'est vrai, tu vas affronter les grandes. J'ai envie d'être là quand elle arrive. Merci de nous aider. Par contre, j'espère que tu n'as pas à combattre le chef. Ça m'attristerait. Je vois pas où est la suite. On a tué 4 là ou 3? Ah, parce que voilà, il y a un chef. J'ai trop pris l'habitude que en fait le décor soit immuable. Ce perso qui fait la tête, c'est un carré quoi. Arrêtez ou ma mère m'a tiré. D'ailleurs, avec un seul coup, j'arrivais pas à les fatiguer en fait. Voilà, c'est le quatrième. Le chef va être débarqué. Plus tard. Sont cool.
contre innavigable ce HLM, le pire de la Terre. On a tué ces 4 putains de sorts droïdes. Oh. Oh putain, le chef. Le mec s'est fait assassiner. Ah non, il est sur son balcon, tranquille. Oui, il est encore plus simple. Un perso de shinobi. Quelqu'un voulait que je remonte par l'ascenseur, il est toujours pas réparé l'ascenseur. Oh, le si bouge, mais c'était impressionnant. Tu vas être sacrément important pour qu'il te leur chef. Maintenant, je suis libre de détruire le générateur de crapule. Voilà, là, il y a des effets de fluide incroyables. Ah, faut refaire le tour. Oh. L'ascenseur était prêt là. Ouch, attention, attention. Genre vraiment. Tu vas pas me donner une récompense? La lumière, c'est l'espace, c'est que j'ai ça. Merci. Eh, le CF, c'est moi. Mais regardez, l'ascenseur, il est toujours pas réparé. Pourquoi vous êtes en train de vous prendre la tête en mode genre, eh, mais il est con, il est pas remonté avec l'ascenseur. L'ascenseur est toujours cassé. Tu sais que c'est un faux chat. En plus, se moquer de moi, qu'il y ressonne, pour dire « Oh, et moi aussi, j'avais fait la même erreur !» Mais quelle erreur ? Le truc n'est pas réparé ! Expliquez-moi comment ça fonctionne ! Aïe ! Pas pour toi, ce message. Ah ! Répondez à d'autres gens, hein. Taguez-les s'il vous plaît. Après vous allez dire, eh Benzé, il n'y a pas eu de chat. Pourtant on dit que de la merde. Excusez-moi, il y a un problème, je suis censé être surclassé. Est-ce que Gideon a laissé un message pour un certain Léo? Putain, ce Fanta Bob. La gueule! Il m'a clairement dit ça. Ah là, c'est vraiment le stage Elevator Action Return. Toi. Enfin, Elevator Action. Entrez les codes d'accès. Oh non, on va enquêter. Aïe. Ouais, bizarre. Attends, on va repartir. Eh oui, il n'y a pas de normes de sécurité dans le futur.
un truc qui est spécial pour les flingues. Aïe. Sean Dick. Victor Dodonnet. Etienne B. Dr. Bees. Pas tant que ce soit les devs que les backers. C'est une façon d'être éternel hein, d'être cité dans un jeu comme ça. Hein. Ça coûte un peu cher en back en général. Ça m'a avancé à quoi tout ça? Bloqué dès le début du deuxième niveau. J'ai si mal au crâne.